C'est la journée du 12 octobre, que vive l'église kimbanguiste, que vive papa Simon Kimbangu Kiangani, et joyeux anniversaire, papa Oye, 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 nous vous remercions. Nous allons clore cette partie avec les toutes dernières salutations. Le service du protocole nous a apporté la liste de derniers délégués qui sont venus se joindre à nous. Il s'agit de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne en République démocratique du Congo et tous les membres de la délégation qui l'accompagnent. Veuillez vous lever, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour que nous faisions notre salut. Cette partie se termine avec la salutation du ministre de l'Industrie, Rémi Moussoundaï, qui prend la parole devant tous les fidèles kimbanguistes. Excellence, avec tous nos respects, nous vous demandons de bien vouloir passer au micro pour votre mot d'adresse. Chers frères et sœurs, Dieu Créateur nous demande toujours de prier en toutes circonstances. Le double événement qui nous réunit ici en Camp Jérusalem, nous entendons par là la disparition de l'envoyé de Jésus-Christ sur terre, Papa Simon Kimbangu, et sa résurrection à la personne de Papa Simon Kimbangu Kiangani nous offre l'opportunité de prier davantage pour que Dieu Tout-Puissant bénisse notre pays, que Dieu Tout-Puissant bénisse le président de la République, Joseph Kabila Kabange, artisan de la paix et qui est en train de tout faire pour que la paix soit de retour dans notre pays. Que Dieu Tout-Puissant bénisse Papa Simon Kimbangu Kiangani. Que Dieu nous bénisse tous. Et nous disons que le gouvernement de la République, que pilote son Excellence Augustin Matata Ponyo sous l'impulsion du chef de l'État, est prêt, toujours engagé, à soutenir les œuvres sociales et autres qui visent le développement intégral de l'homme sous l'impulsion de son éminence, Papa Kimbangu Kiangani. Ainsi donc, je profite de cette occasion pour souhaiter le vœu d'anniversaire
à Papa Simon Kimbangu Kiangani et nos sincères remerciements pour l'accueil qui nous a été réservé. Je vous remercie. Pour présenter le représentant personnel de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Augustin Matata Ponyo-Marpon, en la personne de Monsieur Justin Mwamba Isimbi. On dit toujours, quand vous avez vu le bâton, vous avez vu le chef. Au moins, voilà Mfumo et Mfumundo. To moni, nzete ya bokondi ya mokondi yemoko, mokondi nde yewan. Nous savons très bien qu'il y a fort longtemps que nous avons eu la présence d'un Premier ministre de la République ici en Kamba. Quand bien même qu'il ne soit pas là physiquement, mais de là où il est, il sait qu'il nous a envoyé son représentant personnel et c'est lui-même qui est avec nous ici. Nous allons devoir non pas seulement saluer son représentant personnel, mais nous saluons au-delà de la personne qui est en face de nous aujourd'hui, le Premier ministre lui-même qui nous envoie. Et c'est avec joie que nous allons le faire, d'autant plus que l'État s'aligne toujours derrière l'autorité étatique établie, et ce depuis 1921. Monsieur le représentant personnel, nous vous prions de bien vouloir vous lever afin que les Kimbanguistes, vos frères et sœurs, puissent vous saluer. Et le dernier à intervenir, le représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement, Matata Ponyo-Marpon, représenté ici par Justin Mwamba Isimbi. Chers sœurs et frères en Christ, pour ce double événement qui nous réunit aujourd'hui, le message que je vous adresse en tant que représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, est très bref et il est le suivant. Le Premier ministre m'a envoyé pour vous parler en ces termes. Le président de la République et lui-même sont avec vous et ils savent tous deux que vous êtes derrière eux. C'est avec vos prières qu'ils vont continuer à œuvrer pour le meilleur de notre pays et à travers lui, le meilleur de notre continent et pourquoi pas de notre planète Terre. Après ce message, nous allons vous dire merci de nous avoir bien accueillis ici à Kamba, la Nouvelle-Jérusalem.
Et nous profitons de cette occasion pour souhaiter une fois de plus à son éminence bon anniversaire et lui témoigner notre détermination à prier pour lui, parce que nous savons que lui prie pour nous, pour qu'il puisse conduire avec la sagesse divine cette Église qui a un devoir, c'est celui de rassembler, comme nous venons de le dire, tout le peuple opprimé, ou tout le peuple anciennement opprimé, mais qui porte l'avenir de toute l'humanité. Merci. Tant de celui du représentant personnel du Premier ministre que de son Excellence Monsieur le ministre de l'Industrie. Retourne dans mon abonnement, na combatata, moi na pétata moli moussante, na combatata, moi na moli moussante. Tout ce qui n'a pas pas obé, a aussi le samaï matikal. Au dernier volet de cette partie, le temps est arrivé au représentant de la ville sainte Tonkamba, Réverend Matantou Batuzungi di Lunda, de présenter le chef spirituel à ses hôtes, comme il est de coutume. Encore peu, expliquer quelques réglementations de la ville sainte. Enfin, il termine pour saluer le chef spirituel. Place à sa salutation et adresse. Nakombo ya tata mwana na peta tambo yimo sana na bakundi na biso tozana yesengo mingi tofesi merci na tata mkundi ya mboka Joseph Kabila Kabange tolali gouvernement tofesi merci na tata premier ministre Na manso vous allez conseiller la biso yaki tok na tina ya tata Simon Kimbang lelo yotolo bake bosali manso bobimisi tata Simon Kimbang na boloko biso bakimbangisi tozana eloko ya kopesa te Mais tout le monde a été en train de me dire. Vous allez continuer à
nous sommes dans la grise. Nous sommes en bas. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Pour la base, on a pris la bango. Moukine la bango, nous avons avec la qui bango, Kana. Dans la bango, la qui bango, la monnaie qui passe. Dans la base, on a pris la bango et Kana. Nous avons avec la jeune jouée. Kabore la bango ma belle baton. Tata Simon Kimbangu à Kanam, le 3 octobre 21, condamné à mort. Ma mémie na Kinshasa. Ma mémie na Katam. Le 3 octobre 51, 30 ans à Yékoki. Nige Bayoka na kinan kolo Yesu. Le 4 octobre a vini na Boloko. Moutoute a vini sa kine, l'étate. Yémoko a lobi, Boloko na Yessini. Boloko na Yessini, na kozonga le susu na ndako wana te. Alors, on va se mettre tout à l'heure dans l'unité, ici. On a dit qu'à Mobayo, on a qu'il a collé 30 ans pour ça dans la prison. Alors, on a 60, ma papa va qu'il a besoin d'autres. Bah, il y en a un en cam. Kasi na kukanga muna ye na vente ye, ba mima kie, nda mboko ye, chikaleke na mtu te. Ba dunyo subaza kie, na mboko ye, ba bimi saka bago. Kena kina ba mboka mususu, pebe ni pebe. Kamba itela kina, leta ye mboko na mboko, tala ya mboko. Kino, l'État le vit, Bossambi la Nabino. Moutoukouka Nabino, les sous-sous à l'été, Doloba, la 59, le 24 décembre, 59. Boloko et Sili. Il est pour moi qui, ma maman Mikal, Tata Boni Maya, Tata Zola, na papanda, bazo, kozonga ou bazonga ki, et on en a qui était, bohou, mon abisso, et sili. Dégé, la joie exemple de, bana Israël, tango, bohou, mais sila ki, bazonga ki, na mokine na bango. Et puis son très passé à tout à ce moment, bohou, mais sila ki, kozongi. Kozonga bango bazongi, nous autres y a tout à ce moment qui va, nous avons maintenant 60. Les 3 avril, nous avons écouté dans le camp. Banatangwana, Totonga Kayemse. Fomo Kilbaye, Bissova Touye, nous allons Totonga Mokan Kamba Yemse. Badat Yaminene, Minene, oui. Le 6 avril, Ngoma Mobimba Toyama à Kotonga, Yérusalem. Le 8 juillet,
Ningumba mubimba kuyaka pona kotonga yemese. Le 12 octobre kola lelo. Vraiment pour ce pays, pour y en avoir, puis surtout dans l'Europe, il y a des pays à noter. Le colonel qui m'appelait en temps, qui était dans le même colonel, dans le même moussant, a dit qu'il n'y avait pas de matin, ma femme, au lit, pour qu'il n'y ait pas de mot. Puisqu'il y a eu ce Dakar, j'ai vu qu'il y avait un temps, il y a eu sauter. Pamboli toke nango ezali mikolo ya kufa oyo ezali ke kokanisa liwa ya tata Simon Kimbangu tobima pamba te maboko ya tata Nzambe ezangi na eloko te pamboli Nzambe apesa biso toke nango tokobosa na ye miseleli te. Il est le lipé à propos de la bisopé. Il y a un autre le bâti bisopé pour le bâminité. Pour le conseil, il y a un bango misa. Les kawana na télévini na télé. Jésus purifie-moi. Courage des dirigeants. Pour la bonne accepter. Koye ba, les aliko bon et la balami balé. Quand vous conseil, Zambé a pambo la viso nions. Comme on a dit, yoki a ko, donc il m'a pamba te, Zambé a sali sa viso to kende kaka liboso. O nions ou sa komono na ke mokile ni gani, mokile za na pas, viso to yevi ka jike ma bonde, moutou moussou to te mouta kote kini a Zambé. Scagnon, ce cobomana, et comme une mine, l'éviter sur le retard de la tombe, tant voilà, il m'a dit, mon ami Banda, ni les autres collègues. Ils sont au copé, ça m'a beaucoup dans l'état, dans ma bande, de là où je suis, courage des dirigeants, Jésus, purifie-moi. Bye.